C'est reparti pour un donjon, ça va être le dernier pour ce soir, je pense. Parce que le temps de le faire déjà, vous allez voir, hein, c'est un petit peu long. D'accord, on a principalement du DPS mono cible. Donc ça va être bien pour les boss. Ou alors ça DPS pas, je sais pas trop. On verra bien. On verra tout ça sur le premier boss. Oula, ils ont envoyé du lourd là d'un coup. À mon avis, c'est ça. Ouais, tout à l'heure, je suis tombé avec un groupe, un tank, mais pourri. Le mec, il me reprochait de mettre mes hottes, de healer comme un fou, qui disait. Pendant le. Enfin, juste avant qu'il engage le fight. Mais, enfin, là. Regardez. J'ai un mob sur moi. Hop, il est repris tout de suite. Mis à part le mob qui est arrivé. Qui est arrivé sur la fin. Et voilà, il tankait très bien. Pourtant, il avait mon hut sur lui. Avant le combat. No problème, quoi. Que je pense que c'était l'autre qui était vraiment tout pourri. Et bon, il avait tendance à stacker dans les AE. Lui, il reste pas dedans. C'est déjà pas mal. Ah, ça va être un bon petit groupe. Un bon petit groupe. Bon, c'est des Anglais, je comprends pas tout ce qu'ils disent. Mais bon. Hop là. Alors là, on va voir s'il fait comme l'autre. Est-ce qu'il les met face à nous? Eh ben non. Un tank ne met jamais les mobs face à lui. Enfin, face à lui, pardon. Je viens de m'entendre parler. Non, un tank ne met jamais les mobs face à son groupe. Puisque, sinon on se prend les AOE et pour tout ce qui est caster et tout, voilà ce qui arrive en fait. Et avec le tank, c'était systématique. Il se faisait dépouille la tête. On se faisait dépouille en fait. Il tankait pas. Et voilà. Et c'était compliqué du coup. Bon, après, ça va. On l'a tombé quand même le donjon. Hein. On est juste mort une fois, je crois. Mais celui-là, il est réactif et pour ça, faut toujours essayer d'aider son tank quand on voit qu'on a l'aggro. Surtout, ne pas courir dans tous les sens, ça ne sert à rien. Sauf s'il l'a pas vu, quoi. Si au bout d'un moment il l'a pas vu, dirigez-vous vers lui, allez sur lui. Même si parfois ça peut être un peu dangereux d'aller sur son tank parce que les mobs ils peuvent taper en zone. En zone devant lui. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'arrête d'incanter là, ça sert à rien. Donc le plus simple, c'est de rester à sa place.
d'attendre, et si jamais il ne le voit toujours pas, dirigez-vous vers lui. Et lui fera le taf, il reprendra l'aggro, parce que lui tape en zone. Donc. Petit conseil. Voilà, donc là c'est pareil. Hein. Hop. On attend un petit peu. Hop. Qu'ils prennent un petit peu l'aggro sur les mobs. Et on commence à healer. Faut pas envoyer tout de suite du très très lourd au heal. Laissez-le un petit peu prendre l'aggro. Comme ça vous aurez pas de mauvaise surprise. Et ça se passera plutôt bien. Puis vous lui mettez une boule de soin. Comme ça quand il passe dedans. Et ben voilà. En tout cas, c'est un donjon qui XP mais énormément quoi, c'est monstrueux. Il y a pas mal de mobs et c'est dû, vous voyez, à 18k par mob, hein. 18 000 par mob. 10 mobs, ça vous fait 180 000, en sachant qu'il y a, ouais, je saurais pas les compter, mais il doit y en avoir une bonne trentaine plus les boss. Ah, d'accord, de ce gueule. Donc là, mon petit stuff, il s'est amélioré. Tout à l'heure, j'ai eu le bâton de ce donjon, le torse et une bague. En un donjon. Franchement, là, j'étais refait, quoi. Et il part un peu loin, là. Bon, c'est bon. Il part un petit peu loin. En tout cas, ça tape sec. Ça tape sec, c'est pas mal. Je vais même moi aussi taper. Enfin taper, je mets juste un dot qui fait des petits dégâts. C'est pas, voilà, je fais pas énormément de dégâts, mais ça aide, hein, ça aide un petit peu le groupe. Et, quand le groupe est sympa, je le fais, sinon je me prends pas la tête, je le fais pas. Parce que bon, c'est. Pourquoi, qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, bon, bah ça se passe plutôt bien. Il y en a un qui a pas pris le buff tout à l'heure. Par contre, il devait être trop loin. C'est pas grave. Là, il va le prendre. Voilà. Perfect.
petit peu de DPS pour finir le combat. Je DPS très peu, c'est pour ça que je fais juste ça, je mets juste un hot. Et ben voilà qui est parfait. Et bah, rien pour nous. Rien pour nous. Bah, ça fait énormément d'XP. Le mob, il a donné combien? Ah ouais, 100k XP quoi. Il y a 6 boss, ça fait 600k. Plus tous les mobs, plus la récompense. On est à presque 2 millions par donjon quoi. Comment vous dire que c'est clairement pas négligeable tout ça? Voilà, c'est pas le tank qui tank mal, c'est vraiment les mobs qui font extrêmement mal. C'est assez ouf ce qu'ils mettent en dégâts. C'est monstrueux. Vous voyez, regardez ma mana, quoi. Elle descend, mais et pourtant. Je overheal pas trop quoi. Regardez, le tank il a deux hottes. Deux hottes sur la tête. Et aucune reprise d'aggro. Ça n'a pas bougé quoi. Donc l'autre tank, tu disais, ouais, petit overheal, t'es nul en heal, machin, oh là là. Ouais. Alors je pense pas être trop nul en heal, hein. Je prétends pas être bon non plus, voilà. Mais je pense que, voilà, je fais mon boulot, je le fais peut-être pas parfaitement, en effet, j'ai sûrement des défauts, de toute façon on peut toujours s'améliorer. Mais voilà, à ce que je vois, personne ne meurt. Le temps qui descend pas trop bas, sauf à certains moments où bah. Ah, ça commence à être saut. Bon là c'est un peu un mini jeu où faut jouer voilà. Il faut jouer à esquiver.
C'est marrant. La première fois que je l'ai fait, alors le carnage, je me suis fait avoir, mais partout, enfin, sur toutes les épreuves. De la première à la dernière, j'ai pas touché le bordel, quoi. Là, faut tout simplement courir. On court tous en rond. On se regroupe. C'est sympa, ça change un peu des boss où faut taper, 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 taper. Voilà, c'est assez sympathique comme. Alors là, il y a tout en même temps, en fait. Vous allez voir qu'il y a tout en même temps. C'est coton, hein. Je me suis fait éliminer une. En fait, j'ai été touché une fois, donc. Voilà. On a droit à deux chances en phase 2. C'est. Voilà. C'est sympathique. Pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas? C'est une bonne idée, je pense, des développeurs d'avoir fait ça. Bah ça c'est pas pour moi non plus. Mais les boss de ce jeu sont sympas, hein. Ils sont un peu étudiés. Bon, il y a quelques boss basiques où il faut simplement taper, mais enfin non, mais je crois même pas. Honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait un seul boss dans ce jeu où il faut juste taper comme des sourds. Il y a toujours une petite stratégie à faire. Voyez, même là pour les mobs, vous allez voir. Vous allez voir que pour les mobs, il y a une petite stratégie. Vous allez comprendre. N'aie pas peur, mon petit tank. Bon, mis à part les AOE lambda, hein, voilà, ça c'est du lambda, on est habitué dans tous les MMO. Voilà, il y a des AOE, il y a des cônes de dégâts, voilà. C'est du basique. Voilà, la petite boule. Alors quand on fait pas attention, bah, tout à l'heure je me la suis prise. Bon, on meurt pas, mais elle fait mal. Ah, je me la suis prise, mais grave, hein, mais bien comme il fallait, bien comme il faut, quoi. Sur le coup, j'ai fait, what, c'est quoi ce truc? Je pense que, vu que je me suis enregistré, je vais regarder l'enregistrement. Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Les papillusions, ouais, ça y est, Pokémon and Go, and Co, ou Pokémon Go, ils font mal, ils font un petit peu de dégâts quand même. Ils font un petit peu de dégâts, plus la bouboule, si on se la prend, bah ça peut piquer. Je pense que ça a dû s'en surprendre certains au début, surtout si le tank ne le sait pas. Ou bien sûr, bah, en règle générale, bah, on suit bien gentiment notre tank. Et voilà, ça peut être drôle. Vas-y, vas-y, mon gars.
T'inquiète pas. F1. Ça pique, hein. Ça pique. Voilà. C'est bon, c'est revenu à la normale. Voyez, petit moment de pression de heal. Où on a tous pris tarif d'un coup. En fait, parce que j'ai repris l'aggro. Alors j'ai voulu courir vers mon tank parce que je savais très bien qu'il ne pourrait pas reprendre l'aggro tout de suite. Pour que les mobs soient bien paquets et que du coup je les ai très peu longtemps, très peu de temps. Même si voilà, j'ai regardé. Réduit de moitié. L'immiscité des ennemis envers vous. Donc, enfin, c'est l'aggro, en fait. Voilà. Donc, je l'ai claqué, bien évidemment. Hein, parce que, bah, pour des choses comme ça, il vaut mieux les claquer. Oh là là, l'XP ça monte, oh, c'est trop bon. Enfin un donjon qui rapporte de l'XP. Enfin, non, je préfère me, voilà, je vais me corriger pour pas, j'ai pas envie de taunter le jeu parce que c'est un très bon jeu. Les donjons rapportent de l'XP, hein, c'est rentable de faire des donjons. C'est juste que là, enfin ce donjon il est, il en rapporte vraiment beaucoup. C'est ça, c'est plus l'idée. Parce que le fait de faire vos donjons journaliers et tout machin, ça vaut le coup de faire des donjons. Regardez, hein. Exemple. Ah, pardon. Dernier boss, ça va piquer. Il est chiant, oui, il est horrible. Le fait de faire des donjons HL, enfin le fait de faire des donjons, même HL, ça vous rapporte. Regardez. Ah bah non, lui il est pas, pardon, il est pas 70, mais il y a certainement des 70 avec nous dans le groupe. Et j'en vois souvent. Parce que le tank de tout à l'heure, le tank dont je fais référence depuis tout à l'heure, c'était un tank niveau 70, quand même, hein, faut... J'ai failli avoir chaud à ma tronche. Alors ça c'est chiant. Ça c'est horrible parce que regardez ce que je vais prendre. Voilà, je suis dans toutes les AOE. Et après pour remonter ça au heal, c'est la misère. Voilà, remonter ça au heal, c'est vraiment dur. Ah merde, ah voilà, ok.
Là, je vais prendre super cher parce que je me fais croiser par 4 machins plus l'envol de l'oiseau. Ah non, ça va. Ça va, ça va. On en est où au niveau du boss là? C'est bon, c'est la fin. Vous voyez? En heal, il est. Enfin, on s'ennuie pas quoi. On ne s'ennuie pas du tout. Mais c'est bien, ça donne un peu de. Voilà. Très bon tank. Voilà. Je lui mets même un petit bravo. Bah, j'ai gagné le. Ah bah c'est cool. J'ai gagné le familier. Comment ça, je peux pas obtenir le butin? Non mais ça va pas bien se passer du tout. Voilà. Ah, pardon. Ils attendent leur loot en fait. Voilà. C'est marqué que je peux pas obtenir le butin. Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi en fait. C'était marqué que je ne pouvais. Collier. Ah, du coup, du soigneur nomade. Ah, je l'ai déjà. C'est pour ça. Mais comment c'est. Bah, non, c'était un bug parce que je l'avais pas. Sinon, je peux pas faire besoin si j'ai. Un de mes équipiers m'a honoré. Eh bah, écoute, c'est gentil. Merci. Merci à toi. Et bah c'est fini pour ce soir. C'était le dernier donjon de la soirée. Je vous remercie d'avoir regardé. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.